Salut à toi et bienvenue sur la chaîne de Région et Terroir. Aujourd'hui, je me trouve dans le canton de Fribourg, en Gruyère, et plus exactement dans le petit village de Montbovon, situé dans le Haut-Intiamont. Je te propose d'aller à la rencontre de Martin Ecoffet, de la Brasserie de la Grue, qui va nous parler de sa passion et de son métier en tant que brasseur. Alors, si tu as envie de découvrir toutes les étapes de fabrication d'une bière artisanale, eh bien, suis-moi. Salut Martin! Salut Flux, ça va? Bien à toi! Ah, nickel! Tu m'arrêteras si je me trompe, mais est-ce que c'est vrai qu'en Suisse, on est un des pays où il y a le plus de brasseries, pas au kilomètre carré, mais peut-être par habitant? Alors, j'avais entendu ça une fois, ouais. Effectivement, on est un des pays au monde où il y a le plus de brasseries par habitant. Après, ce qu'il faut juste mettre en perspective, c'est que souvent en Suisse, une brasserie. Une microbrasserie qui brasse 400 litres par année sur ferreur est déjà comptabilisée comme une brasserie. Donc ça gonfle quand même pas mal le chiffre. Après, c'est vrai que ça reste un dernier, on est dans un pays brassicole. Donc un pays qui adore la bière. Ça oui. D'accord. Okay. Et puis sinon, par rapport à la région, etc., quel a été le retour des gens par rapport à tes bières? Ouais, plutôt très bon. Effectivement, les gens sont maintenant quand même toujours très curieux de découvrir de nouvelles bières. Et puis c'est vrai qu'il y a un petit côté identitaire. On commence presque à avoir chacun sa petite brasserie en son coin. Et puis c'est sa brasserie chez nous. Et puis ça, en général, les gens sont toujours contents de la quantité aussi. Hein. Tu peux nous parler un petit peu de tes bières, des différentes. Oui, bien sûr. Alors, si on peut commencer par la noire, c'est la toute première que j'ai brassée. J'ai commencé à la brasser à Alpa, du coup. Donc c'est celle qui s'appelle nez. Exactement, juste ça. Nez, ça veut dire noir, pas toi. D'accord, ok. Pour les pointilleux du patois, c'est que nez, c'est noir en patois, mais si on dirait la nez, c'est la neige. Mais en l'occurrence, ça fait un stout, donc c'est un masculin, donc nez, juste noir. Et oui, alors j'ai commencé par brasser une bière noire, ça peut paraître un petit peu, pas forcément le meilleur plan au niveau marketing, mais c'est vrai que ça a toujours été mes bières préférées, moi, les bières noires. Et puis quelqu'un de page, ça faisait quand même sens de faire une bière noire, ça marchait bien. Et puis j'avais envie d'amener un petit peu les gens aussi à découvrir ce bière-là. Après, j'ai fait une bière noire qui reste assez légère, assez accessible. C'est pas non plus ce qu'on appelle les Imperial Stout, qui sont très fortes, très houblonnées, qui tabassent, qui effectivement on en boit deux et puis on a déjà une bonne dose. Là, ça reste une bière qui reste assez légère, qui reste assez désaltérante malgré que ce soit une bière noire. Et puis j'ai réussi à convaincre pas mal de personnes avec. Ensuite, la bière rousse, donc la deuxième que j'ai brassée à l'alpage, fût, qui veut dire simplement feu, en patois. Ça, c'est une bière qui est un peu plus florale, c'est vrai que j'avais du coup amené une deuxième qui allait bien faire l'alpage, chercher une bière, souvent une bière ambrée, elle peut aller assez bien avec un petit goût fumé, donc je cherchais ça. Et puis j'ai trouvé du coup cette recette-là qui m'a bien aidé.
invité, qui a fait du coup un bon succès. Puis ensuite, bah, quand je suis descendu ici à Montbeuvent, j'ai brassé la blonde, Rio, puis le ruisseau, on va pas. Une blonde, justement, ruisseau, pour rappeler un petit peu le côté altérant, le côté frais qu'on peut voir, une bière blonde, ça marchait bien. Et puis ensuite, la dernière arrivée dans la brasserie, la Zé, qui est une bière blanche, un peu plus fruitée, un peu plus douce, qui plaît bien en terrasse quand il fait bien chaud. T'as des très très jolies étiquettes. Alors ça, j'ai la chance d'avoir ma sœur qui est dans le métier, qui c'est elle qui se charge tout ce côté design. Et puis je la remercie encore, Chine, un jour. Ouais, un peu, un peu. C'est elle qui a d'ailleurs réalisé tous les dessins qui sont dessus. Oui, c'est toi qui l'as fait. Donc aussi, elle a un bon coup de crayon, quoi. Oui. Ouais, alors c'est, effectivement, c'est son métier aussi. Mais elle est douée. Non, mais elles sont vraiment originales. Et puis. Ouais, c'est joli le rappel justement de la grue, mais avec enfin, donc, toutes des petites parties de la grue ouais. Différentes sur chacune de tes bières. Quoi. C'était le but de faire la brasserie de la grue. C'est vrai que j'ai choisi ce format aussi, car je voulais quelque chose qui sera proche de mon terroir, je sais ça à l'alpage. Mais j'avais pas envie non plus de partir trop sur la grue, la gruyère, pour quand même avoir un côté plus original. Donc on est parti vraiment sur l'animal, la grue. Donc, on donne du coup les clignées sur chaque étiquette. Ah, en tout cas, l'idée est excellente. Merci. Malgré l'enthousiasme qu'il y a autour de la bière, il y a quelque chose qui me paraît étonnant. En tout cas, c'est ce que j'ai entendu. Il me semble qu'il n'y a pas une concurrence, enfin la guéguerre qu'on trouve généralement dans d'autres domaines au niveau du territoire. Il me semble que c'est plutôt une camaraderie, un peu comme une espèce de confrérie où les gens s'échangent. C'est juste? Oui, effectivement. Alors, c'est vrai qu'on pourrait penser que vu la densité de brasseries qu'il y a actuellement en Suisse, ça pourrait être assez la guerre à couteau tiré. Mais au final, on se rend compte que, ben, vu qu'on est quand même tous des relativement petites structures, on apporte plus une certaine diversité. Et puis, c'est vrai que la plupart des professionnels aussi de la vente, que ce soit les restaurateurs ou bien les magasins, jouent le jeu aussi, puis prennent plusieurs bières différentes. Et puis, on n'est plus tellement sur ce principe d'exclusivité que souvent les grosses brasseries, comme Cardinal, pour ne pas le citer, auraient cherché à faire prendre vraiment. Avoir l'exclusivité sur une vente de bière dans des restaurants, en apportant du coup des infrastructures, tout ça. Là, on a un peu changé de paradigme, et puis les brasseries peuvent facilement s'installer, car les restaurateurs prennent plusieurs brasseries pour offrir aussi un plus grand choix à leur clientèle, qui demande aussi du coup à pouvoir déguster différentes bières. Donc c'est vrai qu'au final, on a plus intérêt à s'entraider aussi pour pouvoir avoir une qualité de bière générale qui est plus élevée, que se tirer dans les pattes, et puis du coup que c'est aussi contre-productif un peu pour tout le monde si un brasseur qui a un petit peu de la peine avec une série de bières et puis que ça entache à quelque part tous les autres brasseurs aussi en se disant la bière artisanale c'est pas de qualité, alors on préfère plutôt s'entraider et puis pour avoir tous une bonne qualité de produit. Et puis est-ce que vous faites aussi comme dans certains autres domaines des concentrations entre brasseurs ou... Oui, alors ça se fait aussi, ouais. Ben, nous, typiquement, je ne sais pas si je fais un peu de pub, mais on organise le premier week-end de septembre à Villers-Soumont une petite rencontre entre trois brasseurs en général de la région. Après, c'est vrai qu'il y a des plus grandes structures qui se font aussi, comme à Fribourg, il y a le festival de bière artisanale, et puis il y a différentes concentres qui sont comme ça. Après, si c'est plus dans le sens privé, c'est vrai qu'il y a un peu moins, on sait plus qu'on a chacun un peu des fois nos téléphones, puis on se lance un coup de fil quand on a une question, des fois pour regrouper des commandes aussi, pour diminuer un peu les coûts, on essaie de s'entraider comme ça aussi. Est-ce qu'il t'arrive de créer aussi des bières de saison? Oui, alors je fais des bières éphémères, j'en ai notamment une justement que j'ai fait là pour le festival de bière qu'on fait à Villers-Soumont. Puis je fais souvent un brassin par année où je fais une spécialité qui est juste un brassin, puis après il n'y a plus. Et où est-ce que... Oui. C'est souvent. Et puis je voulais te demander, où est-ce qu'on peut trouver tes bières? Alors on peut les retrouver quasiment sur toute la Gruyère, puis jusqu'à Fribourg. Il y a quelques magasins de restaurants qui l'ont à Fribourg. À Châtel-Saint-Denis, il y a aussi un magasin. Il y a un petit peu sur le pays d'en haut, aussi à Châteaudet. Mais il y a la liste de tous mes revendeurs sur le site internet de la brasserie. Et est-ce qu'on peut te les commander aussi en direct? Non, alors on peut passer à la brasserie, venir en chercher, mais moi je ne fais pas de livraison. Enfin, sur la Gruyère, je fais à partir d'un carton, d'un gros carton de 24 bouteilles, mais sinon, il faut repasser par les revendeurs.
Tu pourrais nous parler un petit peu de ton métier de brasseur? Vaste question. qu'est-ce que tu aimerais savoir peut-être un peu plus en détail? Ben, un petit peu, qu'est-ce qui t'a déjà amené à faire ce métier? Est-ce que c'était déjà une profession que tu avais auparavant ou non, c'est de la passion qui c'est t'a de la passion, à ça ouais, principalement, ouais. C'est la passion qui m'a amené à la bière. Alors, je brassais déjà de la bière depuis pas mal d'années avant de lancer la brasserie, mais des petits brassins chez moi de quelques dizaines de litres, comme pas mal le font chez eux. Et puis, ça en parallèle d'un alpage, que l'idée m'est venue parce que j'étais en train de faire un alpage comme Gardénis. Et puis à ce moment-là, je me suis dit, tiens, pourquoi pas essayer de faire un petit brassin comme je fais d'habitude chez moi, mais à l'alpage. Puis du coup, sous le feu, tant qu'à faire, j'utilise du gaz. Et puis, j'ai emprunté un petit chaudron à un de mes oncles pour tenter. Puis j'ai fait ça sous le feu. Puis je m'attendais à ce que ça soit un peu compliqué, que ça n'aille pas bien. Puis finalement, ça s'est assez bien passé. C'est surprenant bien. Et puis du coup, c'est là que l'idée a germé. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas lier ces deux passions, qui est l'alpage et puis la bière. Et puis, j'ai regardé avec mes oncles, justement, ceux qui m'avaient prêté le chaudron, si je pouvais faire ça dans leur alpage, parce qu'ils avaient aussi un alpage. C'était un peu la condition sine qua non pour pouvoir lancer l'histoire, parce que s'il n'y avait pas de locaux, ça aurait été très compliqué. Puis du coup, j'ai lancé la fabrication à l'alpage, puis en contrepartie, je vais apporter le solaire au chalet. Et puis ça a démarré comme ça. Oh, c'est une chouette petite aventure. Là. Ouais, c'était une collaboration de famille. Et puis aujourd'hui, est-ce que tu brasses toujours au feu de bois? Non, malheureusement, plus en ce moment. Là, j'ai du coup mes nouveaux locaux ici à Montbovon. Je brasse au gaz, de façon un petit peu plus conventionnelle, disons. Mais l'idée serait de reprendre à terme une petite production à l'alpage pour reprendre un petit peu retoucher à cette passion. Et maintenant, est-ce qu'il y a une grosse différence, justement, quand on dit de brasser au feu de bois ou de le faire tel que tu le fais de cette manière maintenant? Alors, niveau de la façon de faire, enfin de la pratique, oui, ça change quand même pas mal la donne. C'est quand même pas mal plus simple de faire ici, parce qu'ici, il y a tout qui est fait pour brasser, alors qu'au chalet, j'ai fait en fonction du chalet pour pouvoir brasser. Donc, c'est quand même, ça change pas mal la donne. Donc, ça fait des journées quand même qui sont quand même plus soft à faire quand on travaille ici, parce que sûrement il y a moins de transport aussi, parce que au chalet je fais le brassage et puis la fermentation, mais après tout ce qui est embouteillage, stockage, tout le reste, l'étiquetage, ça se passe tout en bas, donc c'est quand même du transport en plus, il y a tout qui se passe au même endroit, donc ça c'est quand même du travail en moins aussi. Après, au niveau de la bière finie, il y a la différence, elle est quand même moindre que si on comparerait à du fromage, car la matière première au final ça reste la même. Alors que le fromage, c'est clair que ce qui fait la différence entre un fromage à l'alpage et un fromage en bas, c'est que l'alpage, il va s'embrouter d'un autre herbage qui va apporter énormément de fromage. Après, c'est vrai qu'on sent une petite différence, mais ça reste quand même assez léger par rapport à ce qu'on pourrait s'attendre peut-être par rapport au fromage. Est-ce que tu pourrais nous expliquer les étapes de la fabrication d'une bière? Oui, alors la fabrication d'une bière, en fait, le principe de base, c'est d'extraire du sucre des maltes. Le malt, c'est de l'orge, principalement. On a aussi des maltes de blé, du riz, mais c'est plus pour des bières plus spécifiques. La grande quantité principale, c'est le malt d'orge. On va retirer du sucre pour pouvoir, du coup, les faire fermenter avec des levures, pour apporter de l'alcool, du CO2, qui vont nous faire la bière. Et en rajoutant aussi du blanc pour donner de l'amertume. Après, ça se passe en différentes étapes. La première étape, c'est justement de retirer le sucre du malt. Donc ça, on fait en gros tremper le sucre dans de l'eau, le malt dans de l'eau. Et puis là, on brasse pendant un certain temps, avec différents paliers de température pour extraire un maximum de sucre. Ensuite, on rince, on récupère que du coup le liquide, on évacue tout ce qui est ce qu'on appelle les drèches à ce moment-là, donc les résidus d'orge de malt qu'il faut évacuer. On peut revaloriser notamment en fourrage pour le bétail. Et après, on fait l'ébullition. Donc on va bouillir pendant une bonne heure la bière, puis c'est à ce moment-là qu'on va rajouter des houblons qui vont apporter de l'amertume, puis vont apporter aussi des huiles essentielles, puis ça va apporter évidemment différents goûts, différents arômes. Et puis le houblon est assez important pour la conservation de la bière. Et après ça, on refroidit la bière, et puis on met les levures, et là ça passe ensuite à la troisième étape qui est la fermentation, qui dure environ une semaine, où on, du coup, on va fermenter tous ces sucres pour du coup avoir de l'alcool, et avoir du CO2 à la fin pour la en la bière. Et puis après il y a la garde qu'on peut citer, c'est-à-dire en gros là en bouteille on garde la bière un certain temps pour qu'elle mature et puis qu'elle arrive à éliminer certains faux goûts et puis à
vraiment à devenir plus ronde avec le temps. Cette garde peut aussi se faire en cuve, ça c'est aussi dans les plus grosses brasseries, ça a l'avantage de prendre moins de place, mais ça demande du coup plus de matériel. Sinon, on fait ça en bouteille pour les petites brasseries. Combien ça représente une cuve en litres? Une cuve de fermentation, de brassage Ouais, alors je ne peux pas le dire exactement, mais disons, ouais, l'idée, en fin de compte, c'est plutôt de savoir, j'ai vu que tu mettais de l'eau et tout, combien tu remplis, en fin de compte, cette cuve-là, puis combien tu, au final, tu obtiens de, pour faire... pour mettre en bouteille, en fait. Alors, moi, en gros, pour la première étape, qui est l'empattage, j'utilise environ 300 litres d'eau, qui est ensuite une partie qui va rester du coup dans le malt, parce que ça pompe un peu d'eau. Et puis ensuite, on renvoie ça dans la cuve d'ébullition, où on rince du coup avec nouveau de l'eau chaude, mais claire. Puis là, je réutilise de nouveau un peu plus de 300 litres. Donc, dans la cuve d'ébullition, je me retrouve avec environ 600-700 litres de mou, d'eau, qui vont du coup travailler, et puis ensuite qui vont passer en cuve fermentation pour arriver après à la bière fine. Puis là, c'est les 700 litres comme ça, ou tu as quand même une perte? Non, il y a de la perte. Alors déjà, entre la fin de l'ébullition, on fait une petite étape avant l'refroidissement qu'on appelle le ripple, c'est-à-dire qu'on fait un tourbillon pour que le dépôt, qui a en suspension du coup dans le mou durant la fabrication, viennent faire un peu un cône au fond de la cuve, ce qui nous permet de pouvoir aspirer tout en voyant le cône pour arriver au fond et récupérer un maximum de mousse en aspirant un minimum de dépôt. Donc là, on a déjà une certaine perte. Et après, en cuve fermentation, il y a aussi tout ce qu'il y a au fond de la cuve qu'on ne garde pas. Donc là, ça induit aussi de la perte. Après, il y a toujours des petites pertes à gauche, à droite, que ce soit en rinçage de tuyaux, une petite perte de fin de tuyaux, tout ça qui font que petit à petit, là, au bière finie, j'arrive environ entre 450 et 500 litres de bière. Pour 700 litres en cuve. Et tu disais justement que tu essaies de reposer certaines bières, c'est de quel ordre de temps? Alors ça dépend vraiment des bières en fait. Moi typiquement dans ma brasserie, la bière qui mature le plus vite, c'est la bière blanche, elle est prête en 2 mois environ, max 3 mois, elle est prête à être consommée. Puis la bière noire en revanche, elle faut compter qu'un minimum 6 mois avant qu'elle soit prête. Après, les bières continuent de maturer parce qu'il y a toujours des levures qui sont à l'intérieur qui continuent à travailler. Et plus on avance dans le temps, la bière elle continue quand même tout le temps à évoluer. C'est vrai que nous, on doit toujours mettre une date de péremption sur les bières parce que ça fait en dessous de 10% d'alcool, c'est obligatoire. Mais en soi, une bière qui a été bien conservée, c'est-à-dire une température pas mal stable, pas trop chaud, et puis surtout à l'abri de la lumière, elle peut se garder en général bien au-delà de la date de péremption. Sentir au goût, mais après en général, ça part vraiment comme un produit des fois laitier qui, comme un yogourt, qui va venir vraiment mauvais au goût. Une bière périmée, elle va des fois passer un peu de goût, puis elle sera juste plus très bonne, mais il n'y aura pas vraiment de danger niveau santé pour la consommer. Encore une question par rapport à ton métier. Il n'y a pas un petit côté sorcier, tu sais, alchimiste, d'essayer de créer des nouvelles bières avec, en mélangeant justement, peut-être, je ne sais pas, moi, des fruits, des céréales différentes ou... Alors moi, personnellement, je suis un peu puriste en la matière, c'est-à-dire que j'aime bien travailler uniquement avec les ingrédients de base, que ce soit le malt ou le blond levure. Je trouve qu'on peut faire déjà énormément de variations rien qu'avec ces 3 ingrédients. Après, c'est vrai qu'on peut rajouter d'autres ingrédients à l'intérieur, mais rien qu'avec ça, c'est qu'il y a toute une chimie qui se crée déjà, qui est... Alors, on peut, si on rentre vraiment dans les détails, on pourrait en faire des analyses chimiques et puis aller très précisément changer tels et tels éléments pour donner tel ou tel goût. Moi, je le fais un petit peu plus de façon empirique, en goûtant, en corrigeant un petit peu de bassin en bassin. Mais oui, effectivement, il y a un petit côté potion magique. Si tu devais conseiller à un jeune qui aimerait un petit peu prendre la même voie, quelles sont les choses que tu pourrais le conseiller? Qu'est-ce qu'il y a de prérequis que tu lui dirais d'avoir? Alors, rétrospectivement, parce que du coup que j'ai fait un peu les premières étapes, alors il faut quand même se rendre compte, c'est beaucoup de travail. Parce que bon, notamment moi je fais seul, donc je fais toutes les étapes seul. Donc c'est vrai que c'est avantage d'être un travail varié parce que j'ai quasiment chaque jour des choses différentes à faire. Mais il y a quand même beaucoup de travail pour arriver à une bière finie au bout, jusqu'à soit étiquetée et prête à être vendue. Pardon. Et je pense qu'après, niveau formation,
Ça peut être intéressant de s'entourer, de faire ça à trois. Je dirais que le combo gagnant pour faire vraiment la meilleure équipe, ce serait quelqu'un qui est plutôt dans une technique style mécanique ou serrurerie, qui peut du coup avoir vraiment le côté pratique pour les installations, qui est utile de pouvoir avoir ce côté-là. Le côté plutôt chimie avec quelqu'un qui soit soit un laborantin ou bien un biologiste, où là il a vraiment des connaissances de la chimie, la fabrication de la bière. Et puis quelqu'un de côté marketing. Il fait partie quand même, c'est à part entière du métier aussi, de faire un joli produit. C'est malheureusement le nerf de la guerre. C'est aussi le nerf de la guerre, effectivement. Eh bien, merci. Voilà, nous arrivons à la fin de ce reportage. Je tiens à remercier très chaleureusement Martin Coffet pour son accueil, ainsi que de nous avoir permis de découvrir les étapes de fabrication d'une bière artisanale au travers de son passionnant métier de brasseur. J'espère que tu auras apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'oublie pas de la liker, de la partager au plus grand nombre, de t'abonner, de nous laisser des commentaires. Je te rappelle que tu peux te rendre sur notre site internet www.regionetterroir.com. Tu y trouveras d'autres informations complémentaires aux vidéos que l'on tourne. Si dans ta région, tu connais d'autres artisans qui vaudraient la peine d'être mis en avant, eh bien, tu peux tout simplement m'écrire à info@regionetterroir.com. En attendant la prochaine aventure, on te dit ciao, ouf, et à tout bientôt. Prends soin de toi.